Bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing, le numéro 12. Je voudrais pas dire 13, donc peut-être 14. On va pas porter malchance. Donc, on est là pour un autre unboxing. Vous avez reconnu Collector's Corp, le thème Civil War. La boîte est énorme. Je me souviens que la dernière fois qu'on avait une boîte aussi grosse, peut-être même un peu moins grosse, c'était Guardians of the Galaxy. Et la déception était immense. Donc, il ne faut pas se fier à la taille de la box. Civil War, c'est vraiment pour le film qui s'en vient, pour le promouvoir ou se profiter de sa lancée. Captain America Civil War, on voit Captain America contre Iron Man. Moi, j'ai pas besoin de vous le cacher, Team Iron Man jusqu'à la mort. Donc, surtout depuis qu'on a vu Spider-Man se joindre à l'équipe, ça va être un combat épique. La question, par contre, demeure, comment vont-ils se rassembler à nouveau pour Infinite Wars? Parce qu'il y a Thanos qui s'en vient. Ça va être la question que je vous demanderai de mettre dans les commentaires. Mais bon, ne tardons plus, lançons-nous à l'unboxing. On commence. Voilà, on ouvre. Macaron et pins. Patch, c'est Crossbones. Que oui, on avait vu lors du dernier film de Captain America. Mais là, il revient avec le masque. Et le pins, c'est Black Panther. Donc, un membre de chaque équipe. En fait, Crossbones, je ne sais pas dans quelle équipe il se classe. Mais Black Panther, c'est Team Captain America. Excellent, j'adore. Jusqu'ici, ça va bien. On ouvre la boîte. Ah, ok. Une petite publicité, on va voir ça après. Donc, on voit le t-shirt. T-shirt, laissons voir. Ouh, ouais, j'aime bien. Ok. Ouais. Captain America, Civil War. Whose side are you on? Captain America ou Iron Man? On peut voir déjà certains membres de leurs équipes. C'est excellent, moi je le cache pas, Tony Stark jusqu'à la mort. J'aime le t-shirt, très très beau. Ensuite on a un petit comic, Black Panther, Collector's Corp Variant Edition. On voit Black Panther sauter sur Captain America, excellent. J'aime toujours recevoir des comics. Je pense même à voir si je devrais pas en inclure dans mes giveaways. Je cherche toujours quelqu'un qui puisse m'en donner en fait pour pouvoir les inclure, mais les thèmes ne s'adaptent pas toujours nécessairement à des comics. Par exemple, le thème qu'on va annoncer pour ce giveaway. Mais bon, on continue. Je vois un Dorb exclusif à Collector's Corp. C'est le Dorb Unmasked de Iron Man. Comme le pop, c'est la visière un peu. Le masque en visière un peu, donc très très beau. J'avais pas de d'orbs de Iron Man. Ça va être celui-là. Si j'en ai d'autres, on va les vendre, on va les donner, on verra. Mais je suis très content, j'adore beaucoup. Ensuite, je vois comme un collier à clé. Civil War, j'aime bien. C'est bien, ça alterne Captain America et Iron Man, très très bien, oui, pourquoi pas, parfait, et une boîte de deux Pops, j'adore à moitié, je vous explique, mais la boîte est vide déjà, donc j'aime bien les action poses, j'adore. Par contre, j'avais une limite de 1 pop par série, par personnage par série. Donc,
à l'exception de Iron Man. Captain America, j'essaie de me limiter à un. Et là, j'en viens de recevoir un deuxième. Et son action pose n'est pas aussi prononcé que celui de EB Games. Donc, on dirait presque EB Games avec la tête tournée seulement. Donc... Par contre, Iron Man est vraiment beau. Mais, voyez-vous, faut les deux vraiment pour que l'action pose de l'un soit en rapport avec l'autre. Donc, oui, très beau. Captain America, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, c'est pas mauvais. J'aime ça. Je rajoute ça à ma collection. Ils sont très, très beaux. Donc voilà, et le petit pamphlet, ils annoncent le thème prochain qui est Women of Power dans 2 mois. Ok. Oui, très très beau. Parfait. Donc c'était ça, un unboxing rapide quand même. Un t-shirt, un comic, un necklace, un Dorbs et un pack de 2 Funko Pops. Donc, oui, j'aime ça. Vous, quel est l'article que vous préférez dans la boîte? Et dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Dites-moi aussi, pour pouvoir participer au giveaway, je vous annonce le thème. The Nightmare Before Christmas, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est la boîte qui est ici, en fait. J'ai 3 items jusqu'ici, je vous garantis toujours un pop. Avec un t-shirt, il m'en manque peut-être 2 ou 3, on verra. Personnalisé, sûrement. On verra rendu là, lors du prochain unboxing, on va clôturer le giveaway. Là, on l'ouvre. Dites-moi dans les commentaires votre item préféré. Dites-moi comment vous pensez que les Avengers vont se rassembler après cette Civil War pour pouvoir affronter Thanos. Qu'est-ce qui les ramènera ensemble en fait? Dites-moi le dans les commentaires. Et pour pouvoir participer au giveaway, il faut commenter, liker, vous souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et partager la vidéo sur Facebook, au moins une fois directement sur YouTube. Donc, on n'aura pas de hashtag, ça va être directement de YouTube. Ça va être la seule façon qu'en fait je vais pouvoir voir que vous avez partagé la vidéo. Et je veux aussi que vous preniez 4 screenshots. Je vais vous montrer des exemples ici. Un screenshot comme quoi vous êtes souscrit à la page YouTube, à la chaîne YouTube. Comme... C'est pas ma chaîne ça. Ben, tant qu'à être, vous pouvez vous souscrire aussi à Sa Déboîte, excellent boxeur. Vraiment, il a une dynamique avec Pedro qui mérite d'être vu. Donc, voyez, comme je me suis souscrit à sa chaîne, vous pouvez le faire pour la mienne et pour la sienne tant qu'à être. Donc, ensuite, vous me suivre sur Instagram, comme là-dessus. Ah ben ouais, je suis aussi Sa Déboîte sur Instagram, ben oui. Mais bon, comme je le fais pour Sa Déboîte, vous pouvez me suivre sur Instagram. Très important que je puisse voir que vous êtes subscribed. Et aussi, joindre la page Les Giveaways de Romero, comme je vous montre ici. C'est très important que je vois votre photo et que vous êtes dans le groupe. Ensuite, joindre la page de la communauté francophone des unboxeurs. Très important que je vois votre photo et que vous joignez là. Donc, vous remplissez ces 4 conditions-là. Vous êtes dans le giveaway. Je vous donne automatiquement 3 entrées. Donc, likez la vidéo, commentez, partagez, vous souscrivez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et les 4 screenshots que vous devez partager dans la page Les Giveaways de Romero, de Mike Romero. Donc moi, je veux le voir défiler. Et à chaque 4 screenshots que je verrai d'un seul usager, cette personne-là aura 3 entrées dans le giveaway. Et je vous rappelle, les giveaways, c'est gratuit.
Par contre, si vous habitez à l'extérieur ou plus éloigné de Montréal et les environs, va falloir trouver une façon de se rencontrer ou les frais de port, c'est à vos frais. Voilà, donc j'essaierai de trouver quelque chose de très très avantageux pour pas que vous ayez à payer plus que ce que le contenu de la boîte. Par contre, je vous promets une valeur de 50 à 60 dollars canadiens par boîte, entre 5 à 6 items. Dans ce cas-ci, on va être dans les 5 ou 6, dépendamment. On va peut-être même dépasser la valeur des 60 dollars. Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, à vos screenshots partagés sur les giveaways de Mike Romero sur Facebook. Donc, j'attends tout ça et je vous remercie d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!